Salut à tous. Aujourd'hui, j'ai pris mon petit barda parce que on va faire un petit peu de kilomètres, environ 80. Je vous emmène et puis je vous reprends directement là-bas. C'est parti. 9h25. On va arriver vers, je sais pas, 10h30, 11h moins quart. Et vous verrez l'endroit. Ok, je vous dis à plus. Un petit coup. Essuie-glace pour partir au Sécrade. Allez, on part de chez moi. Allez, je quitte et je reprends dans 81 bornes. Bon, bah, me voilà arrivé. Donc, les serres sont là-bas. Il faut aller là-bas chercher les tomates. Donc, c'est parti. On va aller prendre des photos, si j'ai l'autorisation, et puis de monsieur Jean-Marc Parra, et puis voilà. Bon ben voilà, j'ai fait les 80 km du retour, et puis tout mon choix est là. Vous avez vu, hein, c'est un monsieur qui a à peu près 700, entre 600 et 700 variétés de tomates différentes. Et il en fait 150 tous les ans, des différentes. Et puis il fait tourner son stock, je pense. Je sais pas comment, je vais pas trop de poser la question parce que là, il y avait vraiment, vraiment beaucoup de boulot. S'il partait en Espagne, après, justement, il vient dans mon à 30 bornes d'ici, dans une foire, parce qu'il fait les foires, justement. Alors là, moi, j'ai fait mon choix. J'en ai pris 48 variétés différentes de tomates et une dizaine de tomates cerises, cocktail, voilà. Donc je me retrouve avec 50, presque 60 sortes. Et je vous rappelle que j'ai toujours les miennes qui sont là, dans mon chariot. Là. Alors évidemment, elles sont moins grandes. Les siennes, il fait plus tôt que moi, et puis il vient de se réchauffer, etc. Donc c'est quand même mieux. Elles sont une autre qui sont en fleurs, alors que moi, bon, ben voilà, elles font à peine 10 cm. Voilà. Donc j'aurai mes anciennes graines, enfin mes anciennes graines que je vais même peut-être mettre sur cette parcelle là. Sur cette parcelle, je vais. Voilà, ça fait quand même presque 7-8 mètres aussi. Je pense que je vais faire des tomates que je vais laisser au sol. Je vais pailler, puis j'ai juste pour récupérer des graines. Donc je vais pailler, puis je vais planter, mais je vais pas les tuturer. Je vais les laisser au sol, comme font beaucoup de maraîchers d'ailleurs. Et donc, on verra bien ce que ça donne. De toute façon, c'est juste pour récupérer les graines, leur manger quelques-unes s'il faut, mais de toute façon, c'est pas le but recherché. Bon, voilà. Et ben, ça m'a fait une petite balade, une petite sortie. En même temps, j'ai pas trop le temps, mais bon. Et moi, je préfère voir sur place toujours. Je sais que c'est lui qui fait les plans, je sais que voilà, c'est. Voyez, alors après, il a un petit bouquin, il note. Voilà, par exemple, celle-là, c'est la 70. J'étais obligé de noter tous mes pots ce matin, parce que lui, il a une fiche dans les serres, vous allez voir, enfin, vous avez vu peut-être sur les photos où. Les serres, bon, bah, c'est numéroté côté droit de 1 à je sais pas combien, 30 et quelques. Le retour, c'est de 30 à 60.
Et ceci sur 3 ou 4 serres, ce qui fait que voilà, y a de la variété, il y a du choix. Ok. Donc voilà, pas plus grand chose d'autre à dire. Alors cette nuit, ils ont prévu 2 degrés, alors qu'il faisait de 10 ou 11 depuis presque 3 semaines. Donc ce soir, je vais les rentrer, et puis je les planterai peut-être pas demain, mais pas loin. Demain ou après-demain. C'est parti, parce qu'après je sais que ça gênera plus, normalement. Donc on verra bien. Bon allez, portez-vous bien et à bientôt. Bye bye.